Bonsoir, eh bien je suis venu pour vous parler d'un sujet qui j'espère va tous vous intéresser, puisqu'il s'agit des vacances, des congés et du tourisme en général, bref, d'une situation véritablement traumatisante par les temps qui courent. Tenez, prenez l'exemple de Paulette Merval et de Marcel Merquès, eh bien, ils sont allés passer une partie de leurs vacances à Woodstock, chez les hippies, histoire de prendre un bain de foule dans une foule qui ne prend plus jamais de bain depuis longtemps. À votre droite, Paulette Merval, et à votre gauche, Marcel Merquès. On va laisser renoncer ma vieille comme une version de la belle époque. Croyez-moi, c'est pas demain la veille que nous irons valser à Woodstock. Allons danser sous les mandolines, redonnez fond d'amitié en main. Marie Douala qui est l'héroïne des drogues du festival. Marie Douala qui est écoutez, merci Paulette Merval et merci Marcel Merquès. Vraiment, c'est merveilleux. C'est bien de chez nous. Eh bien, écoutez maintenant toutes les petites filles et tous les petits garçons qui sont parmi nous ce soir à Provins, dans la patrie, dans la perfide. Eh bien, vraiment, je serais content parce que j'ai le plaisir de présenter ma charmante amie Dalida. Dalida qui, elle, est allée passer ses petites vacances sur la Côte d'Azur, où semble-t-il d'ailleurs la foule des petits baigneurs et des petites baigneuses vient de chez nous ne l'a absolument pas gênée, puisqu'il paraît, ma chère Dalida, que lorsque vous arriviez sur le sable, vous vous mettiez à chanter et instantanément vous aviez toute la plage pour vous toute seule. C'est merveilleux, c'est magnifique, on est content, on est content. Bien, écoutez maintenant nous faire un très grand plaisir en nous chantant à tous mes amis et à toutes mes petites amies un très grand succès qui a eu énormément de succès et que nous écoutons. Les yeux battus, l'homme il est triste et les joues blêmes. Tu ne devrais plus, tu n'es qu'à l'ombre de toi-même. Il s'en va la rue, tu roules comme une âme en peine. Et tous les soirs sous sa fenêtre, on peut te voir.